Bonjour à tous et bonjour à toutes. Les amis, je lance mon chrono de 25 minutes et on se retrouve pour un épisode de Pixelmon dans la région de Kanto. Et dans le dernier épisode, si vous vous rappelez, j'avais capturé 3 Pokémon et je vous rappelle toujours qu'on est en Nuzlocke, donc c'est-à-dire que si notre Pokémon crève, c'est la fin. Comment ça va, Fireeze? Tout va très très bien. Donc on tourne, vous l'avez sans doute deviné, puisque j'étais sur la route de suite après, donc nous n'avons pas pu tenir de vos commentaires, même si je suppose qu'ils étaient passionnants et pleins de messages d'amour. Du coup, on va se retrouver, on va essayer de capturer un Pikachu pour cette partie, peut-être le trainer un peu. Alors il va y avoir beaucoup de séances de train, peut-être qu'on le fera hors caméra, mais là il faudra nous faire confiance sur le fait qu'on n'est pas mort. Ouais. Ça risque d'être dur, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'après ça va se transformer en du Pokémon, c'est tu farmes. Le mec il monte sur son low class, la grande classe, sauf qu'il est glitché, mais bon, c'est pas grave. Il marche sur un low. Oh putain, c'est tellement la classe, je veux le même. Alors, peut-être qu'on va juste en profiter pour faire option, multiplayer sitting, chat, Aiden, voilà. Je vais faire la même chose parce que c'est bien, mais... Ça ne sert à rien, on va dire. Ça m'embête plus qu'autre chose. On va se dire, option. Ouais. Non, ressource pas. Non, ça, non. Vidéo sting non plus. Hein. Aiden, voilà, tout va bien. Attends, alors, je vais me... Non, j'ai encore de quoi farmer un peu à ce temps-là ici. Alors là, j'augmente mon Squirtle parce qu'on va arriver sur la reine de pierre. La reine pierre. Un petit proche. Du coup... Ça va me faire. Et tu veux qu'on se rejoigne quelque part? Je sais pas où tu es en fait. Oh, un carrefour. Je suis à l'entrée de la forêt de chat. À l'entrée? Bah, j'y suis aussi, enfin, vaguement. Si tu veux des Pikachu, tu sais où en trouver. Tac. À Kakuna, c'est le. Un cocon fort. Ouais, cocon fort. Franchement. Thunder Wave, voyons. C'est cage éclair, il me semble, Thunder Wave. Ça a pas l'air de fonctionner en fait. C'est pour paralyser. Ah, j'ai un antidote. Ah, oui. D'accord, donc c'est pour paralyser, donc je le sais maintenant. Thunder Wave. En fait, j'ai que une attaque. Vague électrique. Ouais, bah, vraiment. Alors là, je vais tenter un combat contre un dresseur si ça tourne mal. Oh, bah tenez, un petit chose qui est devant. L'agro, ah non, il s'en va, hors de la map. Allez, on va agresser le dresseur. Merde, j'avais plus beaucoup de vie. Ah merde. Je vais tenter de soigner mon Pokémon, mais il me semble que ça me dit. Alors peut-être que les attaques physiques sont plus efficaces. Les attaques physiques sont beaucoup plus efficaces pour les Pokémon de type insect. Bon, ça va. Alors au niveau des Pokémon en Switch ou en... Switch quoi? On attaque avec celui qu'on veut. Oui, on attaque. D'accord. Avec celui qu'on veut, bien sûr. C'est évident, ça marche que dans certaines conditions. Putain, mais ça y est, soit il m'a fait un coup critique, soit c'est pas possible. Je suis victime d'un bug. Ah, c'est comme ça, on va récupérer sur la route déjà, parce qu'il y a la route 22 qui est à partir de la ville. Et voilà. Non, regardez, là j'ai été victime d'un bug, on est d'accord, j'ai utilisé ma potion, il m'a OS. Non, oui. Pas d'accord. Bien bugué, on est d'accord. Là, c'est donc, bon à savoir. Attends. Alors là, j'ai fait monter mon... Mon chenipan, il fait pas de suivant. Ça sert à rien. Ça va tellement partir dans la poubelle. Non mais là, en fait, je le fais mourir. Là, c'est pareil, comme j'ai été victime d'un bug derrière, je suis obligé de perdre mon autre Pokémon et mon dernier. Parce que du coup, vous avez bien vu. Alors, je t'annonce, ne pas utiliser de potion en fond. Ah ouais, c'est fait. Hors de question. Je vais toujours penser à se soigner avant et prier pour que je ne mourrai pas pendant le combat. Alors là, mon PJ prend cher, mais je pense que ça devrait passer s'il n'a pas d'autres Pokémon derrière. Et voilà, PJ reste destroy. Level 15, ça me paraît un peu beaucoup. Ken Scarverty, PJ, Jasper, Gust, Tux, Arsti, Assault. Level 15, ça me paraît. Et level 10 pour mon... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré, donc j'ai battu un traîneur. Et il y a marqué You beat a trainer et j'ai gagné un lingot d'or. Voilà. Donc ce sera la monnaie. Genre j'ai mon Aspico qui évolue. Non mais je veux pas faire évoluer Aspico, mais il évolue en quoi Aspico au niveau 7? Je me demande, mais. En métapode. Tu sais moi, métapode, c'est tendu ça. Putain, physacier côté ça. C'est tendu hein.
Il y a un bug ou... Excusez-moi, mais... Non, ça doit être ça. Enfin, j'ai jamais vraiment... J'ai jamais fait... c'est bien parce que c'est le premier métapode de ma vie que je connais avec une autre attaque que armure. Mais bon. Ah, tant mieux. Hein. Oui, en soi, tant mieux. En soi, tant mieux. Et ce que je suis content, c'est que mine de rien, le trainer, il m'a rapporté des sous. Et en plus de m'avoir rapporté des sous, il m'a rapporté surtout 10 points, 10 niveaux d'expérience sur mon PJ, sur mon Roku. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que et les Pokémon de type normal volent. Là, en l'occurrence, comme cool. Ça va être très utile. T'es niveau combien toi sur ta fiche? Alors, mon Pikachu est niveau 11 et je suis niveau 10 sur mon starter que je vais monter dès maintenant. J'essaie de tenir des Pokémon très près au niveau des niveaux pour avoir une équipe équilibrée plutôt que d'avoir un Pokémon niveau 50 et un niveau 12. Hein, on va éviter, c'est quelque chose que j'aime pas. Non mais c'est bugué, je lui balance sur la gueule, voilà. Alors, j'annonce la deuxième, la première potion avait bien marché, mais la seconde en fait a pas marché, mais ils me l'ont rendu à la fin. D'accord, donc c'est bugué en fait. Oh putain, le mec il a un Léviator, il se la pète, voilà. Le mec il jette tellement d'élixirs et de potions, je vais les récupérer. Attends. Le mec il récupère tout, tu sais. Bah attends, le mec il jette des élixirs et tout, moi je prends rien à foutre, au revoir. Et il est où? Il jette Max Aether, Ice Heal, je sais pas, il jette des conneries. Full Restore, moi je prends. Bah oui, c'est un mec qui doit avoir fini, je pense. Oh, ça c'est bon, mais ça me sert à rien. C'est dommage parce que, alors, comme on est en Nuzlocke, on peut pas utiliser de rappel. Mais oui. J'ai en trouvé 3. Ah, putain, la rage. Ah, il jette des CT, des CM. Safe guard. Le mec récupère tout, vous savez. Et moi, je suis là en train de farmer des plans niveau 4. Flash. Tu peux pas me dropper de l'argent aussi. Merci. Bon, ouais, c'est bon. J'ai arrêté de faire mon rat. Bon, il m'a rien filé de très très glope, à part quelques CT que je vais d'ailleurs balancer. Parce que... bon, aucune utilité ces CT. Flash aurait pu servir si seulement ça avait une utilité. Alors. Et ça sert à quoi Flash? Parce que moi. C'est pour. Ah bah tiens, voilà, je vais vendre ça et je vais avoir 100 d'or. Voilà. Voilà, donc j'ai vendu, j'ai 100 de dollars. Mais je... où est-ce qu'on voit son argent? Peut-être dans Slash Money. Slash monnaie. Non, d'accord, oui, j'ai... Oh, le mec a... comment ça s'appelle? J'ai iMoonChat. Je sais plus le nom. Le gros Pokémon qui ressemble à Caninos, mais c'est pas exactement ça. Ah, comment un Arcanin? Oui, il a un gros Arcanin, il est magnifique. Bah ouais, ils sont magnifiques, les Arcanins. Mais l'Arcanin, c'est juste l'évolution de Caninos, en fait. Tiens, viens là. Non mais. Je vais pas tout garder, ça va, et oh, hein, je suis pas un rat quand même. Tiens, prends ça, ça peut servir, ça, ça peut servir, ça, ça peut servir, et ça, ça peut servir, et voilà. Et tiens, je te donne ça, un Ice Heal, et Max Header, voilà. C'est la moitié de ce que le mec a donné en fait. Ok, bah je vais soigner mes Pokémon, je vais augmenter mon Pikachu niveau 12. Oui, et puis après on va pas trop farmer non plus, on va aller. Ouais, on va avancer. On va c'est peut-être juste... avancer. En fait, c'est une histoire d'assurance de venir, voilà. Quoi, on est prêt à... Oui, parce que surtout que toi, la première arène que tu tapes, c'est pas la plus simple pour toi. Oui, bah c'est... L'arène pierre, quoi. Donc, bon, c'est pas censé être l'arène haut, si j'ai pas d'équipe. Non, la première, c'est l'arène pierre. Ça a toujours été l'arène pierre dans tous les jeux, c'est l'arène avec pierre. Un feu et un électrique, je sais pas si ça va... Alors, en théorie, ça peut passer, puisqu'ils sont bas level. Ils sont vraiment très bas level à ce niveau-là, donc... en théorie, il en faut vraiment pour que ça rate, quoi. On va juste faire attention. Alors, tac, c'est super mal en c'est comme ça. Et oh, je n'ai pas d'attaque normale sur le Pikachu, ce qui est dommage. T'as pas d'attaque normale, qu'est-ce que tu appelles attaque normale en fait? Type normal. Ah, de type normal. Moi j'ai que des attaques de type normal et une attaque de type haut. Bon, en même temps, j'ai que deux attaques donc bon. Là, je suis un peu en train de farmer quand même, là. Je pense que je mettrai les musiques un petit peu remix, comme j'avais fait sur la première saison, mais un petit peu plus évolué, genre aussi la musique de ville en fait. Enfin, ouf, j'ai one shot, ça s'est fait. Du coup, je vais aller juste un peu le soigner parce qu'il a pris un peu cher. Alors là, les allers-retours vont être obligatoires et incessants. Je suis vraiment navré. C'est dommage, franchement, c'est dommage, mais bon. Mais si vous voulez du Nuzlocke. Il va falloir de ça, parce que sinon, en théorie, moi je montrais mon PJ, et puis voilà, mais
si vous voulez du Nuzlocke, il va falloir qu'on réfléchisse, parce que à la fin de la forêt de Jade, si vous vous souvenez bien, normalement, si je dis pas de conneries, hein, il y a un combat qui est obligatoire contre le oui, contre le rival. Il me semble que ça a été refait aussi. Ah, donc, ça peut être. Ça peut être vraiment emmerdant parce que vous avez vu le rival niveau 12, niveau alors 12, que c'est le premier combat. Mais en même temps, c'est normal qu'il soit niveau 12 parce qu'en théorie, il doit être niveau 5. Et puis après, à force de combat, il doit en gagner certains, je pense. Et donc, du coup, son Pokémon monte de level. Et à partir du moment où il est monté d'un level, c'est déséquilibré quoi. Et donc, du coup, il gagne de 2, 3, 4, 5. Et là, il était niveau 12. Jusqu'à ce qu'il y ait un pigeon comme toi qui attaque. Et voilà. il est marqué niveau 0. Oui, il est marqué niveau 0 parce qu'à mon avis, ça doit être c'est un dresseur personnalisé. T'as bien remarqué qu'il ressemblait à aucun dresseur de Pixelmon que t'as jamais regardé. Oui. Voilà. En fait, c'est un dresseur personnalisé. Oh, il m'a volé le Pokémon juste devant mon pif. Pas grave, il y en a un autre ici. Pikachu, il est juste. Je tiens à porter attention aux détails des Pokémon qui sont juste sublimes. Oui, franchement, ils sont très très beaux. Je trouve vraiment aussi. Voilà. Donc là, je vais juste faire passer mon. Je pense que mon Pokémon au level 13 devrait suffire. Moi, j'en ai deux level 12. J'aimerais bien passer à level 13. Ouais, je pense qu'on va essayer de garder au moins le starter jusqu'au bout. Ah, et là, il va passer level 13. On va essayer de. Toi, tu là-bas, toi, t'es combien? 8. Qu'est-ce qui est le plus efficace sur de la pierre? Le feu ou l'électricité? Je suis en train de réfléchir. Il me semble que les deux sont tout aussi inutiles. Ouais, c'est ça. Les deux sont inutiles. Il faudrait avoir Poképédia sous les yeux. Je pense que je prendrais mon ordinateur portable devant moi. Ça va y être chaud. Hein. Ah, Water Gun, voilà. Pistolet à eau. Ça, c'est très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Et maintenant, on va pouvoir avancer. Donc, si t'es d'accord. Bien sûr. Oui, moi, je suis si t'as rien d'autre à faire dans la forêt de Jade, moi, je te conseille de passer une dernière fois au centre Pokémon. De manière à augmenter un petit peu tes trucs, et puis après on ira donc dans la forêt de Jade. Je pense que on va finir la forêt de Jade dans cet épisode, et puis après on arrivera donc à la ville de Pierre. C'est très bien comme ça. Il faudrait aussi que j'ai la carte sous les yeux, donc ne vous inquiétez pas, la série va être. J'ai pas l'habitude des premiers Pokémon, d'ailleurs, première génération. D'ailleurs, je vous pouvez nous rejoindre. Hein. Ah oui, ça, ben, surtout que le serveur est ouvert, il suffit de. Si vous voulez, vous nous le dites, et puis voilà. Enfin, vous nous le dites non. Ils peuvent venir sur le serveur, mais ce que je veux dire, c'est s'ils veulent jouer avec nous. Si vous voulez jouer avec nous, faire des combats hors Nuzlocke, parce que du coup, vous savez très bien qu'on n'a qu'une seule partie, on peut pas demander à un modo de nous supprimer la partie, je pense pas que ce soit possible. Non, c'est pas possible. Donc du coup, on pourrait faire, je sais pas, une séance combat contre les abonnés. Séance forme tranquille, discussion, voilà. Si on peut se voir. Comme là, sur Mumble ou sur Skype. Bah, dites-le-nous si vous voulez jouer avec nous, tranquille. Voilà, peut-être pas au début de la série, mais peut-être vers la fin. Tranquillement, voilà. Je t'attends et on traverse la forêt de Jade ensemble. Petite ellipse. Ouais, petite ellipse, on traverse la forêt de Jade. Alors, je vais juste mettre en pause mon timer. Et c'est reparti. Ciao, ciao. Et re tout le monde, tu viens de me passer devant le pif. Et on va donc traverser la forêt de Jade en essayant de faire les combats de dresseurs. On fera des petites ellipses à mon avis s'il y a des. Mais ils sont peut-être un peu trop niveau pour nous en fait. J'ai non, vu des niveaux 15. Il y en a certains niveau 12 et ça doit passer, je pense. Parce que c'est les Pokémon de type insecte pour toi, ça passe largement. Alors lui il est niveau 8, tu vois. Et à mon avis il doit être déjà en combat. Ouais. Il est déjà en combat, donc on peut pas l'attaquer. C'est le problème. Problème du multi, mais bon. C'est pas grave, on va bien en trouver d'autres. Sur pire, on reviendra sur la route. Lui, le métapode, là, il est blessé. On peut finir. Pour le tac, voilà, l'attaque, c'est fait. D'ailleurs, mine de rien, j'ai mon Pokédex plus rempli que le tien. Oui, mais c'est pas. Alors, Charlie, level 9, ça aussi, ça aurait pu être intéressant. Sinon, on attend que le mec finisse son combat avec son build bizarre, level 10. On prend sa place. Le seul problème c'est que voilà, du coup les dresseurs sont occupés et bah, du coup on peut se contenter de quelques petits esquives pour juste un petit peu de l'air là. Ok, franchement bas fort hein. Ouais, franchement ah, il y a un mec qui a un Raptacel, hein. c'est bon toi, Mielda, ah putain, j'arrive pas à en choper un Pokémon. Viens là toi, il veut pas. Ah voilà, dissident. J'aurais pas dit mieux. Dissident. Boah, tiens, Water Gun dans ta gueule. Mange-toi ça. Bam. Voilà.
Oh non, il renvoie d'autres Pokémon, ça va être super long. J'aimerais bien que le combat contre Charlie Level 9 soit fini, mais ils sont obligés d'avoir 5 Pokémon, donc forcément, Bon c'est bah pas. c'est pas grave sinon, mais le seul problème c'est que ça rapporte de l'argent et l'argent Oui, c'est que c'est ça assez m'arrangerait. Ah, mais il en a encore un. Ah, bah fais C'est gaffe même. hein, réfléchis parce que. Merde, je vais run. Le prochain niveau Réfléchis 12, parce ça me que. paraît beaucoup. Non, mais je suis Pokémon Feu, je veux dire, je suis parti extrêmement mal. Hein, Moi j'ai pas un Pokémon problème. level haut, on a pas level haut. Type haut. Contresens haut. Donc j'ai lancé le combat contre un Ouais, bah d'ailleurs, on va regarder ça. dresseur. Donc il est level 13, je suis level 12, il m'a enlevé 2 PV. Mais tu me diras combien il a de Pokémon. donc il en a 2 sur. Voilà, j'ai gagné un fer. Voilà, il a 2 Pokémon level 12-13. Ouais, ben voilà, c'est parti. Je vais attaquer. Ouais, mais toi tu n'as pas de Pokémon feu. Oui, mais j'ai des Là je lui ai Pokémon. mis une branlée totale parce que j'ai un Pokémon J'ai de des feu. Pokémon de type eau, c'est des Pokémon de type insecte, ça va. C'est pas non plus ce qu'il y a de pire contre le Pokémon de type eau. Oui. Il faut savoir que le type insecte ont pas d'attaque herbe, je crois. Ils en ont... enfin, y en a très peu qui ont des attaques herbes. Ça fait que moi je prends pas plus de dégâts que ça en fait. Je crois que. En fait, là, j'ai un problème, je n'ai plus la barre affichée sur mon côté. Et il suffit de relancer un Pokémon. Ouais, ça ne fonctionne pas. Il y a une touche pour hide en fait, je crois. Il suffit de la Ah, TA. voilà, je crois que c'est débugué, ça m'a marqué. Votre Pokémon est passé niveau 14 que maintenant. Ah, c'est bon, il est revenu, J'ai donc oublié en de fait, c'était relancer le juste un. chrono, alors excusez-moi, je relance à 8 minutes. À 8 minutes sur l'épisode. Je sais pas si c'est vrai. C'est pas un C'est problème. pas un grand problème. Alors là, surveillez sa vie parce que ça va être très très important tout au long de l'aventure. Alors regardez bien les vidéos. Ok, voilà. Alors, pas surtout du mien parce que En fait, le truc, c'est que je one-shot tous les Pokémon, donc y a pas de temps en fait qui puisse m'attaquer. moi je les one shot pas du tout. Hein, mais voilà, je récupère aussi mon Attends. frère et par contre mon Pokémon passe level 15. Hein. Et là, on fait une petite ellipse. Enfin, non, on fait pas de petite ellipse, on va en profiter. Pour attaquer Charlie level 9. Voilà. Coucou. Je te laisse attaquer Charlie. Parce que moi il faut que je soigne mon Pokémon de toute façon. J'attaque avec lui, tiens. Voilà, paf. Ah viens là, viens là, comment je te soigne? Comme ça je te soigne. Non, il est pas level 9, il est level 12. Ouais mais bon, s'il a beaucoup de Pokémon level 12, je risque de un petit peu pas aimer. Du coup je vais en profiter parce que ça, en fait il me permettrait d'évoluer. Alors, Et Quick ce Attack, je le remplace derrière. je le remplace de Growl, tiens, voilà. Cool, j'ai Quick Attack, ça va être pas mal, vu Ah, ces 10 attaques en français. vive attaque, c'est juste épique. Pourquoi? C'est bien, surtout parce que j'ai Parce que que des attaques électriques, en fait, sinon. t'es surtout le premier à attaquer, quoi. Et ça, Ouais. c'est génial, ça. C'est-à-dire que dans un combat où le mec, tu vois, qui ne reste pas beaucoup de vie, il me semble que Quick Attack, vive attaque, hein, pour parler en français, il me semble que vive attaque passe même avant le lancer d'une potion. Je suis pas vraiment pas sûr, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'il passe avant. Là, il y a un poké dresseur, c'est dangereux, mais je vais tenter. Je viens de faire un combat de 3 Pokémon de même niveau que moi, J'ai dû déjà le battre en sans fait. perdre un point de vie. Avec Pikachu? Avec, oui, Pikachu. Ouais, mais ils sont nuls les Pokémon de type. Ouais, franchement, oui. Donc j'ai gagné un lingot d'or. Tu pourras le faire, tu vas te faire un lingot d'or. Pikachu niveau 14 maintenant. Ah, et Water Comme. Gun? Non, je vais attaquer avec Tac. L'avantage que moi, c'est que moi, il est level 15, mon truc, et donc mon Squirtle, et donc du coup, il risque de passer de niveau et Très vite. d'évoluer. Non, J'essaie d'évoluer. de monter sur la mèche Et niveau il me semble 15. qu'on peut renommer les Pokémon, alors si ça t'intéresse, tu peux renommer ton Pokémon. J'aimerais. Quoique, tu savais, moi. Oui, mais tu dis ça, mais renommer les Pokémon, c'est fun. Oui, mais comment qu'on fait ça? Il faut regarder dans ses stats, il me semble. Tu sais, tu fais clic droit sur ton Pokémon, Summary, et tu regardes un petit peu. Ou alors c'est directement depuis le. Et voilà, il est passé level 16 et il apprend Beat. Ça, c'est la meilleure attaque du monde. Ah, dès qu'on a ça, vous vous souvenez, je vous mets la bite dans le front. Voilà. Bon, là en l'occurrence, ça marche pas beaucoup parce que c'est contre des types insectes. Donc, Y a pas de front. Y a pas de front. C'est pas ça, c'est qu'une simple attaque charge est équivalente et même Water Gun est plus puissante. Donc là, je viens de le battre et donc du coup. Et Alors, voilà, deuxième one shot, Pokémon niveau 15. Mon Squirtle passe de niveau et évolue. Je vous laisse la cinématique. Charmander is evolving. Ouais,
Ouais, pareil. Voilà, donc en même temps. Ouais, en même c'est temps, pas mal. Sauf que moi, il a évolué niveau 15, non pas niveau 16. Et c'est un bug. Ce qui n'est pas un problème. Ou alors, j'ai passé niveau 16 en deux Pokémon, ce qui est possible. C'est possible. Mais je viens de battre quand même un restant niveau 14. Ah oui, peut-être. Oui. T'étais où d'ailleurs? Ah oui, Dragon Rage. Ouf. Dragon aïe, Rage. Aïe, aïe. Oh, Dragon Rage. Dragon aïe, 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 aïe. La douleur. Ah oui, il y a un dernier. Je suis à la fin de la forêt de Jade et il n'y a pas de. En fait, il y a deux dresseurs qu'on n'a pas fait en fait. Donc je suis en train de les faire. C'est niveau 14 et niveau 15 au début. Donc je me les fais. Ouais. Je vais te rejoindre après, je pense. Peut-être pour les faire aussi. Ah, je crois que mon Pokémon est empoisonné, mais le mec m'a donné des antidotes. Je suis content. Là, il y a un mec, un Pokémon level 14 et il est considéré comme level 9. Et ah bah d'accord, il avait qu'un seul Pokémon, il vient de me donner un lingot d'or. Ok, donc 100$ de plus, c'est génial. Je sais pas si mon Pokémon est sorti ou rentré, mais c'est pas grave. Hop, voilà, donc maintenant je vais passer attends, sur attends, les. Attends-moi. T'inquiète pas, non mais je vais fermer mon Pikachu qui est à deux niveaux de moins que mon Salam. Je l'ai renommé en français. Reptincelle, voilà. Et là, il y a des Pikachu level 3, un Pikachu level 6. Est-ce que je le tente? Ouais, je le tente parce que ça va servir. Il servira de toute façon. Je vais essayer de l'attaquer avec Beat sans le tuer. Et c'est du one shot. Tant pis, un Pikachu level 4 que j'ai encore un essai. Ah, je vais peut-être l'attaquer avec autre chose. Je sais plus la touche pour changer de Pokémon. Et merde, merci. Et j'ai peut-être une dernière chance avec ce Pikachu level 3. Ah oui, donc je vais renommer mon Pikachu. Bah non, je vais pas renommer mon Pikachu. Tu vas renommer Pikachu. Flamèche. Et je vais l'appeler. Enfin. Reptincelle. Si tu veux, je t'explique aussi comment faire. Généralement, j'ai trouvé. Oui, non, mais je crois qu'il y a deux L, hein, si je dis pas de bêtises. Non, il me semble qu'il n'y a pas. Bon, alors, vous rappelez la règle, une seule Pokéball par Pokémon possible. Alors là, c'est un peu tôt, je sais. Mais une autre attaque aurait été fatale. Donc, faire bon, je pas mets... prendre de risque. Non, il était un sel pourtant. Non, il y a deux L. Je vais me battre pour trouver. Non, il y a bien deux ailes. D'accord. Que c'est Reptincelle avec étincelle. C'est étincelle pour deux ailes. J'ai un Pikachu, voilà. Tu m'as dit qu'au début il y avait deux dresseurs. Ah oui, là je les vois. Je les vois. C'est 14 et 15 au niveau des niveaux. Moi je les ai fait, je te laisse les faire. Comme ça, c'est à peu près ensemble. On va éviter de se séparer. En fait, 14 et 15 sont pas vraiment représentatifs. Oui, parce que c'est 11 et 12. C'est 11 et 12, ouais. Là, en fait, le mec avait un Pokémon level 14, puis après un Pokémon level 11. Enfin, ça veut rien dire quoi. C'est représentatif un petit peu d'une moyenne à peu près d'un dresseur. Pas spécialement de Pokémon quoi. Là, il a deux Pokémon level 14, il est level 14 quoi. Mais un en soi, il est plus faible parce qu'il a des Pokémon à la con quoi. Ces Pokémon auraient pu être level 30, ils auraient aucun changement, ça aurait juste été plus long. I love bugs. Pourquoi il a disparu pour le dresseur pour moi? Je sais pas si toi aussi. Je le vois plus, donc c'est peut-être qu'en fait, quand on l'a battu, bah, c'est fini, on peut plus le rebattre. Non, on peut plus le rebattre le dresseur après, hein, c'est fini. Il ne disparaît pas, mais tu peux plus attaquer. Voilà, enfin, moi il a disparu. Je l'ai battu, et mon Pokémon est. Ah non, moi il a pas disparu, il a juste bougé pour moi. Ah, bah bouger où alors? Parce que. Il est là, caché dans les fourrés. Il a peut-être disparu. Bon allez, on va aller à la fin de Forêt Jade. Puisque là, on ouais, j'aimerais bien que mon Pikachu évolue dans cet épisode. Comme ça, j'aurais fait mes deux Pokémon. Ah, ça y est, ton Pikachu évolue? Non, j'aimerais bien qu'il évolue. Il évolue pas tout de suite, hein, il évolue level 20, je crois. Hein. Ah, oui, donc c'est plus tard. Parce que comme, en fait, si tu veux, en moyenne, les Pokémon qui ont qu'une seule évolution évoluent autour du level 30-36. Pokémon qui en ont deux autour du level 16 pour la première et 36 pour la seconde. Au niveau des starters, je crois que c'est le temps de 36. Ouais. Tac. C'est moi qui étais TP à ta place. D'accord, c'est pas grave. Et donc là, on arrive donc à la ville Roche. Là, il y a des Rattata et des Pidgey comme d'habitude. Oui. Peter City, donc ville de pierre. Bah, ouais. C'est pas très original, mais bon. C'est le nom, c'est pas le nom classique, mais je regarderai le nom classique sur internet et je vous le dirai. Et c'est la fin de l'épisode, c'est parfait. Voilà. Bah, pile au moment où on arrive dans cette ville, c'est la fin de l'épisode, on va soigner ce Pokémon.
Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Bon, on va faire peut-être un petit tour et un débriefing de ce qui s'est passé dans cet épisode. On va peut-être aller vendre ce qu'on a gagné aussi. Aussi. Et puis voilà. Ah, la ville de Peter, tout le monde s'appelle Peter, d'accord. Peter. D'accord. Alors, par contre, comment on voit notre argent J'en sais rien. Peut-être, alors attendez. On va juste. On va profiter pour faire slash monnaie, peut-être que ça marche comme ça. Oui, ça marche avec slash monnaie. Donc on va dire que au lieu de faire chat hide, on va faire chat. Commands only. Commands only, voilà. Donc, on va faire donc slash monnaie, et donc du coup j'ai bien accès au slash monnaie, donc ma balance est de 450 grammes. 450 de dollars. blague de merde, pardon. Et je suis à 250. What? Ah, mais toi tu as vendu des. Et moi j'ai déjà tout vendu. Oui, moi je vais garder tout ce qui est les îles, tout ça. Où est-ce que je le vends? Max Aether, tout ça, Elixir. Ah, mais tu peux les. Non, je les ai pas vendus, tu peux pas vendre les îles. Bah, tu as 4. Je sais pas quand t'avais pour avoir 450. Bah, j'ai battu peut-être un dresseur de plus que toi. Peut-être, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, on va se laisser là. Ouais. Ça, c'est le voir pour les donateurs. Ouais. Donc, ça suppose que c'est la reine. Je vais vous laisser devant la reine. Bon allez, on vous laisse, ciao.